Bonjour les cuicuis. Aujourd'hui au menu du chou-fleur. Je vais vous le préparer en curry végétarien. Et pour les ingrédients, pour 4 personnes, il me faut 400 g de chou-fleur que j'ai détaillé en petits bouquets, 200 g de pulpe de tomate, 150 g de petits pois surgelés, 60 g de yaourt grec, des épices, 2 cuillères à café de curry et une cuillère à café de gingembre, coriandre et paprika, une centaine de grammes de noix de cajou et noix que je concasserai, quelques graines de courge, un demi-oignon, une gousse d'ail, un peu de crème fraîche et bien sûr du sel, du poivre, du beurre et de l'huile. Et je le servirai avec 100 grammes de riz complet. Je fais tout d'abord blanchir mes bouquets de chou-fleur pendant 5 minutes dans une eau bouillante salée. Pendant ce temps, je prépare mon oignon que je vais émincer et ma gousse d'ail. Dans un peu de beurre et d'huile d'olive bien chaud, je fais revenir les oignons et l'ail. Je rajoute la moitié des épices, curry, paprika, coriandre et gingembre. Et je laisse infuser quelques minutes jusqu'à ce que mes oignons et l'ail soient bien fondants. Le chou-fleur blanchi et égoutté, je le mets à cuire 15 minutes à la vapeur. Je prépare également une petite marinade avec le yaourt et le reste des épices. Je détends avec un peu de crème fraîche. Je mixe grossièrement mes noix de cajou et noix. Les oignons et l'ail ont bien fondu, ça sent très bon. Il me reste donc à rajouter toutes mes petites préparations, la tomate, les petits pois, les noix concassées et la marinade d'épices au yaourt. Et enfin, le reste de crème fraîche. Et je laisse mijoter pendant une dizaine de minutes, le temps que le chou-fleur soit cuit. Il est temps de mettre le riz à cuire. Les bouquets de chou-fleur sont cuits, mais croquants. Voilà, toutes les cuissons sont prêtes. Il me reste à dresser. Quelques graines de courge,
quartier de citron. Bon appétit les cuicuis!